ça va. Tu vises pas là. Merci d'être tous là. En fait, on n'a pas fêté le lancement de Pixat correctement. Donc merci d'être là pour fêter le lancement de Pixat, pour fêter les 2 mois de réussite, notamment en collaboration avec les radios amateurs de par le monde. Et puis, pour ceux qui ont bossé avec moi, merci pour cette aventure superbe, etc. La triste nouvelle, c'est que la mission Pixat s'arrête maintenant, parce qu'on a perdu contact il y a 2 semaines, et on n'a plus réussi à le rétablir. On a des pistes, on travaille actuellement sur les raisons de ce silence, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ce qui est clair, c'est qu'on est maintenant résigné à ne plus l'entendre parler. Et donc, on va passer à autre chose. Mais pour l'instant, on est là pour célébrer 2 mois de fonctionnement dans l'espace du premier nanosatellite du Lésia. Et du premier nanosatellite dédié à l'astronomie, qui malheureusement, en français, qui malheureusement n'en a pas fait beaucoup, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Allez, okay. So you're talking about the Beta Pictoris science objective, right? Yes. Yeah, so that was one of the objectives of the mission, but there are other objectives. Like just following the Beta Pictoris, just looking at the star, even if the planet is not transiting, we can study the circumstellar environment. We can look for exocomets. We can so there are a lot of things to do with the instrument. So yeah, if it comes back in a year or even in 2 years, then we have plans for it. So we'll be able to. J'espère en tout cas. And yeah, in 4 or 5 years, I hope there'll be another satellite by this point. So.